Bonjour à tous. Bonjour. Voici comment nous avons construit notre ordinateur de l'école. Mais à quoi ça sert tout ce matériel? T'inquiète, on va tout expliquer. Ça déjà, c'est la carte mère, c'est la base de l'ordinateur. Ah mais comment ça la base? C'est là-dessus qu'on va brancher tous les autres composants. Ah mais c'est quoi cette grosse boîte? Ça, c'est le boîtier. Il va renfermer tout le matériel de notre ordinateur. On a bien galéré pour installer la carte mère. On a tous mis la main à la pâte. C'est quoi ce gros carré au milieu de la carte, tu sais plus quoi? C'est pas la carte, tu sais plus quoi, c'est la carte mère. Et ce gros carré, c'est là où on installe le processeur. Le pro, c'est quoi? Le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. Il faut l'installer au millimètre près. Le processeur ne doit jamais surchauffer. C'est pour ça qu'on installe un ventilateur dessus. Et c'est quoi ce machin là? Ça, c'est le disque dur. C'est là-dessus qu'on sauvegarde toutes les données. Comme tes épisodes de l'âne trop par exemple. Eh, je regarde pas l'âne trop moi. Ouais, c'est ça. Là, on installe la barrette de RAM. C'est quoi la truc là? La barrette de RAM, c'est la mémoire vive de l'ordinateur. Et voilà. Stylé. Il faut encore terminer les branchements dans le boîtier. Quand tout est prêt, on referme le boîtier. Il reste à brancher l'écran, le clavier et la souris. Et c'est parti!